Shaw, l'attaquante jamaïcaine, qui tente à dépasser. Oui, bonne intervention. L'équipe haïtienne va repartir à l'offensive. C'est une touche. Touche pour les Haïtiennes. Touche concédée par Sylvain Loren. Latéral gauche de la Jamaïque. Rosiane Jean pour l'exécution de la touche. Jamaïque a fait pressing là. Le coup de tête. Intervention de Charlie jeudi. La passe de Charlie. Contrôle de la poitrine. Bien joué. Quel contrôle. L'équipe haïtienne toujours en possession de la balle et très intelligemment. Attaquant haïtienne joint tout cela. C'est Félix et Micarline. Oui, c'est bien une touche pour l'équipe haïtienne. Là, il y a une joueuse haïtienne restée au sol. L'arbitre est venu s'enquérir de l'état de la joueuse haïtienne. Le jeu momentanément interrompu ici au stade Silvio 14, Fisna Dominique. Oui, toujours deux pour Haïti, un pour l'équipe jamaïcaine. Nan. Nous dans deuxième mi-temps en match à football là. Et nous espérons que mesdames haïtiennes sont capables de marquer l'autre goal là pour assurer qu'ils sont capables de faire victoire là. On rappelle que c'est la première phase éliminatoire Coupe du Monde, ça la France a organisé Cap Bout aujourd'hui là. Tournoi qui a démarré depuis mercredi avec participation Haïti, Martinique, Guadeloupe et puis équipe jamaïcaine. Alors jusqu'à présent là, mesdames haïtiennes, vous gagné un bon comportement dans le stade de Silvio 14. Nous espérons, mesdames et messieurs, les haïtiennes qui évacuent Fristia Dominique. Oui. C'est l'image, Jennifer l'image, dos à 3, arrière centrale, sans blesser assez sérieux. Haïti en attendant à 10. La touche effectuée par Dumorné. Batsheba lui. Batsheba évite son vis-à-vis. Et c'est une touche. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. L'arbitre t'est montré l'hésitante. L'arbitre t'est montré l'hésitante. Joueuse jamaïcaine l'a arrêté au sol. C'est bien Sylvain Loren. Sylvain Loren est au sol. Le jeu va reprendre. Rosiane Jean pour l'exécution de la touche. C'est Félix Micarline. Rosiane Jean. Et ballon récupéré par la Jamaïcaine. Attention. Le coup de tête de Tabitha Joseph. Ballon dans la défense jamaïcaine. Charlie jeudi. La passe en retrait. Dumorné. Non, Dumorné. Pour qui? La mauvaise passe de Melchi Dumorné. La mauvaise passe de Melchi Dumorné. La remise en jeu va être assurée par Chambers Chris Anne, gardienne de l'équipe jamaïcaine. Non. Elle préfère laisser le ballon à Sweetman Martin. La relance de Sweetman Martin. Intervention manquée, dégagement de la défense haïtienne, le coup de tête de Ketina Louis. Et les haïtiennes arrivent à dégager. Attention, Bondry, il y a faute. Là, il doit y avoir carton. Oui, la joueuse jamaïcaine sera avertie. C'est la troisième joueuse jamaïcaine qui avertit. Dans l'encontrant, troisième joueuse jamaïcaine avertie. C'est un coup franc pour la sélection haïtienne. C'est la 51e minute de jeu. On est en début de seconde mi-temps. Melchi Dumorné sur le ballon. C'est la spécialiste des coups de pied arrêtés de l'équipe haïtienne. Justement, Melchi Dumorné attend le signal de l'arbitre. Ballon soulevé dans la surface. Dégagement de la défense jamaïcaine. Intervention de Ketina Louis. Ballon convoité par l'arrière-gauche de l'équipe haïtienne. Finalement, c'est une balle qui sort en touche. Ketina Louis pour l'exécution de la touche. Ketina prend son temps avant de dégager. La touche effectuée par Ketina Louis. Le contrôle. Non, Rosine Loassin n'arrive pas à contrôler ce ballon.
La passe était de Micarline Saint-Félix. Touche pour les Jamaïcaines. Les Jamaïcaines en difficulté au stade Silvio Cato. Oui, c'est vrai que Haïti mène 2-1. Mais à 2-1, on n'est pas à l'abri. Attention. La touche a effectué. Ballon en territoire de la Jamaïque. La longue passe. Le coup de tête. Le ballon revient dans le camp jamaïcain. Intervention de l'équipe haïtienne. Rosiane Jean. La passe de Rosiane Jean. Ballon dégagé par la défense jamaïcaine. C'est une touche pour les Grenadiers. Touche que va effectuer Rosiane Jean qui évolue au poste de latéral droit. Le sélectionneur haïtien Stéphane Dufour donne des instructions à partir du banc. Rosiane Jean pour l'exécution de la touche. Allez, je dis. Il y avait position avancée. Selon l'arbitre assistant. Coup franc pour les Jamaïcaines sur le ballon. Plummer Cogna. Arrière central. Plummer Cogna. Ballon dégagé. Intervention de Emeline Schall. Charlie Jeudi a fait l'effort. Voulant empêcher le ballon de sortir. Le contrôle de l'attaquante jamaïcaine. Deux joueuses haïtiennes pour le pressing. Le pressing se révèle payant. Bien joué Batsheba. La longue passe. Attention, il y a danger. Danger. Le danger est canté. Charlie Jeudi, quelle réception. Le Charlie Jeudi. Le ballon est sorti en corner. Corner pour l'équipe haïtienne. L'équipe haïtienne a besoin de marquer d'autres buts. Question de se mettre à l'abri. Charlie Jeudi sur le ballon pour tirer ce corner. Non. Elle préfère laisser le ballon à Melchie Dumornet. Melchie Dumornet attend le signal de l'arbitre. Le signal est donné. Oh non, malheureusement la glissade de Melchie Dumornet. Ballon qui est sorti. La remise en jeu assurée par Plummer Cogna pour l'équipe de la Jamaïque. Long dégagement. Le coup de tête de Batsheba. Charlie Jeudi. La fin de Charlie Jeudi. Oh oui, bien joué, Rosiane Jean. Oh non, Rosiane. Un très mauvais centre de Rosiane. Ballon qui est sorti. L'arrière central de la Jamaïque, Plummer Cogna, va relancer. Long dégagement. Ballon au milieu du terrain, le coup de tête de Batsheba, lui. Charlie Jeudi, non. C'est mauvais. Ballon capté par Chambers à Chris Anne. Portière au gros volume physique. Intervention de la défense haïtienne. Et le coup de tête. Roselyne Eloisin a raté son intervention. Et là, les joueuses haïtiennes finalement concèdent la touche. Il y a une joueuse haïtienne restée au sol. Elles sont deux. Plus de peur que de mal. Oui, finalement, elles se sont relevées. C'est une touche pour la Jamaïque. L'équipe haïtienne doit serrer les rangs. Restez concentrés jusqu'au terme de la rencontre. Attention à cette ouverture. Charlie Jeudi à la poursuite de son adversaire. Ballon récupéré par Charlie Jeudi. Oh non. Finalement, Charlie Jeudi va jouer en retrait. Ballon toujours au niveau de la défense haïtienne. Et Charlie Jeudi, dribble de conservation de Charlie. Là, les haïtiennes jouent avec le feu. Bon tacle! Quelle intervention de Jennifer Limage! Tacle propre
de l'arrière central. Jennifer Limage, c'est l'heure de jeu. La 60e minute. La Jamaïcaine insiste. Et le contrôle, le centre au deuxième poteau. Bien joué. Rosine, non, la reprise. Ballon capté facilement par Carly Teus. Sous les applaudissements du public, Carly Teus trouve à droite Jennifer Limage, libre de tout marquage. Rosiane Jean, la passe de Rosiane. Rosiane doit soigner sa passe. Attention, les Jamaïcaines combinent à partir du rond central. Attention, là, l'équipe haïtienne est en danger. Le centre, oui, très bon contrôle. Le dégagement est mauvais, malheureusement. Les Haïtiennes paraissent timorées en cette seconde mi-temps. Attention, le centre, le coup de tête, bien joué. L'équipe haïtienne va repartir à l'offensive. Le danger présent dans le camp haïtien. Intervention de Carly Teus. Carly Teus se prépare à dégager. Christian Dominique. Regardez le public. Oui, du Stade Silvio Cantor. Il y a un pile qui fait déplacement aujourd'hui à l'an. Occasion. Dernière journée, tournoi ça. Haïti 2, Jamaïque 1. Équipe jamaïcaine a pété pression pour être capable de jouer une égalisation. Une attaque haïtienne avec Chéri. Jeudi. Centre de Chéri. Attention, danger là pour l'équipe jamaïcaine. Et tire, trop soulevé. Contrôle de la poitrine. Reprise du pied droit, malheureusement, qui passe au-dessus. Une belle occasion. Oui, ça c'est le président actuel du pays, son Excellence Jovenel Moïse, et l'ancien président de la République, Michel Martelly.